vous avez formé un vœu. Et l'objet de ce vœu, si vous voulez écouter mes conseils et faire ce qu'exige la nature du fléau, vous pourrez l'obtenir, je veux dire, un remède et un soulagement à vos maux. Pour moi, étranger à ce qui a été dit de Laïus, étranger au crime, je partirai. Voici ce que j'ai à vous dire, car je ne saurais aller loin dans mes recherches si je n'obtenais de vous quelque indice. Maintenant, moi qui compte récemment au nombre des citoyens, voici ce que je proclame à vous tous, habitants de la ville de Cadmos. Si l'un de vous sait quelle main a tranché les jours de Laïus, fils de Labdacos, qu'il me révèle tout, je l'ordonne. Et si la crainte retient le coupable, qu'il se dérobe à l'accusation en s'accusant lui-même, il se retire sain et sauf de ce pays, car il ne le sera pas fait de mal. Ou bien, si l'un de vous sait que le meurtrier vit sur une terre étrangère, qu'il parle. Je lui promets récompense et, de plus, ma reconnaissance lui a assuré. Mais si vous gardez le silence, si, par crainte pour soi-même ou pour un ami, on se refuse à mon ordre, apprenez donc ce que je ferai dès lors. Cet homme, qu'il soit, je défends à tout habitant de cette contrée où je règne, de le recevoir, de lui adresser la parole, de l'admettre aux prières et aux sacrifices divins, de lui présenter l'eau lustrale, que tout le repousse de leur maison, comme le fléau de la patrie. Ainsi me l'a ordonné naguère l'oracle du dieu qu'on adore à Delphes. En agissant ainsi, j'obéis au dieu et je venge le roi qui n'est plus. Je maudis l'auteur caché du crime, soit qu'il l'ait commis seul ou qu'il ait eu des complices, et que, proscrit partout, il traîne misérablement sa vie. Et s'il est admis dans mon palais, à mon foyer et de mon consentement, je me voue moi-même aux imprécations que je lançais tout à l'heure contre les coupables. C'est à vous, Thébain, d'exécuter tout cet ordre pour venger le Dieu et moi-même et cette terre frappée de stérilité et de colère céleste. Et alors même que la recherche du meurtrier n'aurait pas été condamnée par les dieux, il ne vous convenait point de laisser sans expiation un crime qui vous a ravi votre roi, le meilleur des hommes. Non, il fallait rechercher le coupable. Mais aujourd'hui que je suis monté sur le trône qu'il occupait, et que j'ai reçu la main de son épouse, et que mes enfants, les siens, seraient frères, s'ils avaient vécu, mais la fortune était déchaînée contre lui. À tous ces titres, je vengerai sa mort comme celle de mon père, et je ferai tout pour découvrir le meurtrier du fils de Labdacos, du descendant de Polydore, de Cadmus et du vieil Agénor. Ceux qui refuseront de souscrire à mes ordres, fassent les dieux qu'ils voient à leurs champs sans moisson et leurs épouses sans enfants. Mais qu'ils meurent du fléau qui vous désole, ou d'une autre mort encore plus affreuse. Quant à vous, Thébain, qui approuvez mes desseins, que toujours la justice vous protège et que tous les dieux vous soient favorables. Puisque tes imprécations m'y contraignent, je parlerai. Je n'ai pas tué Laïus et je ne puis indiquer le meurtrier. Et quand ses recherches, c'était à Phébus qu'il a ordonné à faire connaître l'auteur du crime. Tu dis vrai, mais contraindre les dieux à faire ce qu'ils ne veulent point n'est pas au pouvoir d'un mortel. Je pourrais te proposer un second avis, qui me semble bon. Si même tu en as un troisième, ne crains pas de le dire. Le puissant Stierisas, je le sais, partage avec le puissant Apollon la science de l'avenir, et en l'interrogeant, on pourrait obtenir de lui d'importantes révélations. Je n'ai pas négligé non plus cette voie. En effet, sur l'avis de Créon, j'ai envoyé vers lui un double message, et je m'étonne qu'il tarde si longtemps. Quant aux autres bruits qui ont couru, ils sont sans fondement et surannés. Quels sont ces bruits? Je vous approfondir que ce qui se dit. Laïus fut tué, dit-on, par des voyageurs. Je l'ai aussi entendu dire, mais personne ne connaît le témoin. Mais le coupable, s'il est accessible à la crainte, lorsqu'il connaîtra tes imprécations si terribles, ne persistera-t-il pas dans son silence? Celui que le crime n'effraie point ne craint pas les paroles. Mais il y a quelqu'un qui saurait bien le découvrir. Voici en effet qu'on amène ici le divin prophète, qui, seul entre les mortels, a le don de la vérité. Ô Tirésias, toi dont l'esprit embrasse tout, et les sciences humaines et les secrets des dieux, et les sciences humaines et celles de la terre, bien que privées de la vue, tu sais cependant quel fléau désole cette cité. En toi seul, ô prince, nous trouvons pour elle un appui et un sauveur. Apollon, si mes envoyés ne te l'ont pas appris, a répondu à notre demande que le seul remède à cette contagion serait de découvrir les meurtriers de Laïus et de les faire périr ou de les bannir de cette contrée.
Toi donc, ne nous refuse pas ton secours. Consulte le vol des oiseaux et les autres ressources de l'art prophétique. Sauve Thèbes et toi-même. Sauve-moi et purifie-nous de toutes les souillures du meurtre. Car en toi est notre espoir. Servir les hommes de toutes les ressources que donne le savoir et la puissance est le plus glorieux des travaux. Hélas, hélas, que la science est un présent de finesse. Lorsqu'elle ne profite pas à celui qui la possède, je le savais et je l'ai oublié. Autrement, je ne serais pas venu ici. Qu'y a-t-il ? En quel découragement tu nous arrives ? Laisse-moi repartir, car toi et moi, nous porterons plus facilement le fardeau de nos peines, si tu veux m'en croire. Tu as tort de parler ainsi, et c'est manquer d'amour pour cette ville qui t'a nourri de lui refuser l'explication de l'oracle. C'est que je vois que tu parles hors de propos. Je me tais donc pour ne pas encourir le même reproche. Au nom des dieux, ne nous dérobe pas de ce que tu sais. Tu nous vois tous à tes pieds en suppliant. C'est que vous êtes tous dans le délire. Mais moi, non. Jamais je ne révélerai mes misères pour ne pas révéler les tiennes. Que dis-tu ? Tu sais tout et tu refuses de parler. Tu veux donc nous trahir et ruiner Thèbes de fond en comble ? Je ne veux affliger ni toi ni moi-même. Pourquoi m'interroger inutilement ? Tu n'apprendras rien de moi. Ô le plus pervers des hommes, car enfin ta résistance irritera un rocher. Ne parleras-tu pas enfin ? Tu resteras donc inflexible ou inexorable ? Tu me reproches des paroles irritantes, mais tu ne vois pas ce qui est chez toi irrite les autres. Et pourtant, tu m'outrages. Et qui ne s'irriterait d'entendre un tel langage ? Et du mépris que tu montres pour cette cité ? Ce fatal secret se révélera de lui-même, malgré le silence dont je le couvre. Si donc il doit se révéler, il est bien juste que tu me le dises à moi-même. Je n'ajouterai pas un mot. Après quoi, livre-toi aux accès de ta farouche colère. Eh bien, oui, tant que je suis en colère, je n'omettrai rien de tout ce que je pense. Sache donc que tu me parais avoir conçu comme la pensée du crime et l'avoir accompli, si ce n'est qu'à ta main qui n'a pas porté le coup. Et si tu n'étais privé de la lumière, je t'accuserais de l'avoir commis à toi seul. Vraiment ? Et moi, je t'ordonne de te conformer à l'arrêt que tu as prononcé. Et dès ce jour, de ne parler ni à moi, ni à aucun des Thébains, car tu es l'impie qui souille cette terre. Oses-tu bien proférer des paroles si imprudentes ? Et crois-tu t'échapper au châtiment qu'elle mérite ? J'y échappe, car j'ai en moi la force de la vérité. Et qui te l'a apprise ? Assurément, ce n'est point ton art. Toi-même, car c'est toi qui m'as contraint à parler. Qu'as-tu dit ? Répète-le encore, pour que je le sache mieux. Je veux la bien savoir. N'as-tu pas entendu la première fois ? Ou veux-tu m'éprouver ? Non, pas assez pour dire que je le sache. Répète donc. Je te dis que tu es ce meurtrier de Laïus que tu cherches. Ah, tu ne montreras pas deux fois impunément. Faut-il donc t'en dire davantage pour redoubler ta colère ? Dis tout ce qu'il te plaira. Tes propos seront vains. Je te le déclare, tu ignores les horribles nœuds que tu as formés avec ceux que tu as de plus cher et tu ne connais pas tout ton malheur.